C'est parti d'un premier voyage à Bamako, justement, à la rencontre de Manjoul et la découverte de son studio. Et surtout pour moi, voilà, que j'aime beaucoup la musique malienne, que j'avais découvert à travers Toumani Diabaté, Jesse Soko et Boubacar Traoré, avec Farka Touré. Voilà. Qui a 6 ans maintenant et qui mûrit voyage après voyage, ici à Bamako, au Mali, en France, et aussi bientôt en Suède, en Espagne. En électronique entre la musique mandingue et la musique électronique, et je me suis dit que voilà, qu'il y avait un langage nouveau à trouver, quelque chose de nouveau à essayer. Je me rendais compte que la musique mandingue offrait toute une folie de possibilités. Et voilà, on est samedi à l'Institut français du Mali, donc il faut venir nombreux.